On va se faire la suite de Zelda en espérant que tout marche bien. On va peut-être juste regarder si on n'a pas des conneries qui tournent. Hop là, tac. Je lance ça tout de suite. On va charger la save state. C'est vrai qu'on en était là. Et on se met bien sûr en plein écran pour profiter du jeu. Tout a l'air ok dans le stream. Ok, pas de clé. Il y a le gros coffre là. Est-ce qu'il faut tomber? Non, fallait pas du tout tomber, fallait aller par là. J'ai pas de clé, il me manque deux petites clés. Des flèches juste. Ok, j'ai des full flèches. Aïe. Ok. Donc j'ai une petite clé, j'espère qu'il y a des trucs là. Non. Je les ai pris la dernière fois s'il y en a. On va aller par là. Pour leur balancer, j'ai plus de PV. Ok, c'est par là. Ok, ceux-là, je peux les péter sans leur lancer un pot dans la gueule. Ah oui, voilà, le gros coffre est par là. Mais c'est pas par là qu'on y va. J'ai des bombes. J'aime beaucoup ce bruit. Au cas où des bombes. Esquive. Allez, salut. Hop là, une petite clé. Allez. Une petite clé. On va prendre les bombes au lieu de notre fidèle boomerang. Et on va récupérer le marteau. Le marteau. J'ai le marteau magique, je peux enfoncer les piquets en bois dans le sol. Ah. Je vais pouvoir retaper ma maison avec ce marteau magique. Plus sérieusement. Il va falloir que je trouve. Ah, je peux. Si je sais pas où je peux aller. Par contre, avec mon unique PV, ça risque d'être pas très loin. Et voilà, on peut niquer des trucs. Alors maintenant, je crois que. J'ai merdé, j'ai merdé. Hey! Ça va, Papouchka? J'ai trouvé le marteau. Et tu sais ce que dit la fameuse chanson? Ho, 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 si j'avais un marteau. Donc ça doit m'ouvrir des passages. Voilà, et je peux taper lui notamment. Ah non, je peux pas taper lui. Je pensais que je pouvais le taper, mais non. Tiens, caisse dans la bouche. À mon avis, c'est pas par là qu'il faut que j'aille. Oui, non, faut que je repasse par tout droit. Alors, le marteau, ça nous permet de taper certains ennemis qu'on pouvait pas taper avant. Et de taper les caisses, notamment, ou les trucs comme ça. Donc, eux, maintenant, je peux faire partout! Et voilà. Aïe! J'ai merdé. Alors je crois qu'il y a un endroit où on pouvait pas aller par là tout à l'heure. Ah oui mais... Bon, on ira plus tard.
Ah ouais, t'aimes pas trop ça, les coups de marteau dans la bouche. Hop là. Oh, j'ai que 4 PV, ça pue la merde. Oh là là. Le pire joueur. Le pire joueur. Quel... Ah d'accord. C'était pour revenir là. Tout ça pour ça. Je suis excessivement déçu. Peut bien évidemment pas passer par là. Est-ce que je peux? Oh, je les ai tapés! Et je meurs. Ok, donc maintenant que j'ai le marteau, j'ai tout vu, je sais ce qu'il faut que je fasse. Un peu de PV qui traîne là? Allez là. Non, c'est des bombes. Nope, 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 nope. Et donc là, il y avait un endroit où on pouvait pas aller. Je sais pas si tu te souviens. En fait, il fallait pas du tout la canne de mon cul ou je sais pas quoi. Je peux juste pousser ça. Quel couillon. Bon, dans tous les cas, ça peut pas faire de mal d'avoir récupéré le marteau. Donc ça, c'est pour après. Je vais pouvoir les taper au marteau. Ils vont s'enfoncer. I have a bad feeling about this. Ok, il me file des flèches. C'est un indice, je pense. Ok. Grosse énigme. Pauvre statue qui a rien demandé à personne. Je lui colle une grosse flèche dans l'œil. Je me souvenais pas que j'étais aussi mauvais à Zelda quand même. Ça, jusqu'à présent, je ne pouvais pas le passer. Mais maintenant que j'ai un marteau, rien n'est impossible. Bonk. Allez, petit boomerang. J'ai pas de clé. Mais je suis baisé. Ah, je peux peut-être tirer à l'arc.
dû laisser une clé quelque part, mais où? Ok, cette statue, ça lui fait rien. Mais je pense que c'est... Attends, il y a peut-être des cœurs là dans ces trucs-là. Ah, je me sens mieux. Ah si, je sais. Non, je sais pas. Je croyais que je savais, mais je savais pas. On va essayer de passer par l'autre côté. Parce que là, je vois que ça. Ça leur fait rien du tout. Pratique cet arc, il faut que je m'en serve plus. Et ouais, par là, je peux pas y aller. Donc il faut que je passe plus par la gauche, sûrement. En fait, je m'en fous de lui. Ah, mais c'est que pour descendre, ça. Ah, il y a peut-être un truc pour remonter que j'ai pas vu, alors. Non. Qu'est-ce que ça peut bien être? Alors là, je crois que c'était juste pour avoir les trucs pour avancer un petit peu. Mais... Marc, je vais essayer de redescendre maintenant que j'ai le marteau. Mais... Les couilles, celui-là. Alors. Je crois que le pont qui s'effondre... Ouais, non, c'est bien ce qui me semblait. Ici, on s'en bat le fion. On s'en bat le fion, mais alors, complètement. Les pousser dans ce sens-là, c'est intéressant ça. Ok, donc j'ai éliminé tout ce côté-là. Pourquoi ça repop? What the fuck? On va redescendre, hein, on sait jamais. Là, j'ai un truc pour remonter. Y'a pas des cœurs là-dedans? Non. Est-ce que par là, il y a des trucs à marteau? Les mecs, attends, ça me fait arriver où, ça? Ça me fait arriver à une clé, sûrement. Et du coup... Ah oui, là, il y a un TP... Laissez-moi tranquille. I don't want to die. Please go away.
Ok. Ok, bon, c'était un coup pour rien. Oui. Et je peux pas la pousser celle-là non plus. Si, celle-là je peux. Pourquoi celle-là je peux? Ok, donc ça n'est pas par un de ces deux côtés. Non, non, mais te mets pas là. Putain, y a un maçon qui est venu et qui a reconstruit le pont entre temps, quoi. Il doit me manquer une porte que j'ai pas vue. Je reprends la carte là. La pièce qui est à gauche. Comment je peux y aller? J'ai dû manquer un truc par là, c'est pas possible. Pim pim. Et merde, trop lent. J'ai raté mon lancer. Donc là, à gauche. À gauche, il n'y a rien de plus. À droite, il y a des trucs. Il y a des portes. Quoi? J'ai pris aussi cher pour deux coups? Oh mais bordel! Ah! Pardon Sora, mais te mets pas sous ma chaise! Allez, casse-toi. Sora, ça va? Tiens. Bon, ça va, je crois qu'elle a rien. Les cyclopes là, faut pas planter l'œil ou je sais pas quoi. Bah. Ceux qui sont verts, oui, mais les. Les autres, non, a priori. Donc. Soit j'ai pas l'item qu'il faut pour progresser plus, mais ça me paraît très bizarre. Soit juste je vois pas le truc trop évident à faire. Ce qui est déjà un peu plus possible. Donc là, c'est juste pour revenir ici. Peut-être ça que j'ai pas fait. Non, c'est juste un troll. Magnifique. Qu'est-ce qu'il dit lui ?
Ah, je vais essayer là. Parce que là, on voit bien que pour aller au boss, il y a un TP. Ok, ça n'a rien fait d'allumer les deux lumières. Je l'ai bugué. Donc là, on revient là. Ok, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? Oh non, le roi des connards. De retourner par le dernier truc que j'ai débloqué, ça doit être par là, mais parce qu'il y a ce coffre là, ça doit être la clé qui me manque, mais je ne sais pas aller là-bas parce que j'ai pas débloqué. Vas-y, one-shot-moi le jeu, je te dirai rien. Non mais... Alors arrêtez la drogue aussi à un moment là. Je me suis fait instant. Oh là là, ils sont pas dit à un moment, peut-être lui, il lui manque encore des PV. Non mais... À moins que... Non, là on peut pas sauter là, c'est pas possible. Ouais, si on peut, c'est de la merde en tout cas. Attends, est-ce que... Non, non, non. Il y en a qui me montrent qu'il faut passer par en dessous. Je veux bien essayer un truc. Putain. J'ai peut-être une idée. Paraît très bizarre, mais bon. Parce que là, on peut pousser une des caisses et sauter. Et où est-ce qu'on tombe quand on saute là? Ouais, bien ce qu'il me semblait. Est-ce que c'est pas un délire de genre...
Attends, y a un truc là, je l'ai vu. Putain. Et pour les gens qui ont des yeux normaux et qui voient pas les 4 pixels qui sont différents du reste, on fait comment? Plus de flèches. Des nidorans. Oh là là. Je me sens bien là. Oui, d'accord. Oh non, mais il fait des petits, lui. C'est dégueulasse. Si tu viens là sans le marteau, tu fais comment? Aïe. J'ai trouvé la carte du donjon, super. Ça va beaucoup me servir. Alors attends, je vois deux cracks dans le mur, mais... Là, je sais qu'il y a un coffre, il doit y avoir la fameuse clé qui me manque. Quoi, ils ont repop pour de vrai? Putain. Mais, je t'ai jamais demandé de sortir! Oh là là. Le petit cœur. Très bien, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Rien, rien. Rien. Super. Oh, une petite fée. Alors, je peux reprendre mon marteau. Bonk. Et on va pouvoir aller trouver le boss du niveau. Tarif. Oh putain, mais ça reset tout à chaque fois. Et il n'y a pas les cœurs. Pourquoi les cœurs ils sont pas là? Les mobs ils vont repopper eux, par contre ça il y a zéro problème. Allez, toujours plus de sodomie.
Des cœurs. Oh non, mais je me fais bolos comme un... Il n'y en a pas un qui m'a drop un cœur. Je suis deg. Je vais pas avoir un cœur avant le boss pour de vrai. Bah pour de vrai, ouais. Je l'ai tapé. Oh, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Non mais aussi, le jeu, il te met des salles que tu peux pas passer sans perdre de vie. Et après, derrière, c'est à toi de te démerder avec un demi-cœur parce que tu ne peux pas mettre ce truc. T'as pas les checkpoints dans le donjon. Enfin, c'est le festival du slip, quoi. Ah putain, et oui, bien sûr. Merde, j'ai pas désactivé le truc. Allez. Mais je l'ai tapé, ça a pas compté.
Mais droppez-moi des cœurs! Oh là là. Mais putain! Mais... J'y crois pas! Mais ça a été programmé pour que t'aies jamais de cœur, c'est pas possible. Voilà, j'ai perdu tous mes cœurs parce que le jeu m'a baisé. Je dois refaire le boss avec 3 cœurs parce que j'ai pas de drop et parce que le jeu triche autant qu'il peut. Super, on s'amuse, c'est l'éclate la plus complète. Ah oui, genre il m'a touché. Tiens! Tu l'as pas volé celle-là. Boss de fin, solaire. Allez, donne-moi mon cristal. T'as le full, le life up, enfin le container de cœur qui te remet pas full life. C'est pas du game design de fils de pute ça? Ouf, l'effet 3D est présent. Unicorn, grâce à toi, je peux m'échapper les griffes des diaboliques monstres, merci. Ce monde était autrefois la Terre d'Or où la Triforce était cachée, mais à cause du vœu que fit Ganon quand il s'en empara, voilà ce qu'il advint de ce monde. Ganon rassemble ses forces pour conquérir aussi notre monde de la lumière, après avoir établi son pouvoir ici. Il veut rompre le sceau à l'aide de ses pouvoirs que nous, les 7 jeunes filles, avons hérité des sages et ouvrir une brèche plus large entre les mondes. Mais la brèche n'est pas encore suffisamment large. Tout n'est pas perdu. Si nous, les 7 jeunes filles, nous unissons nos efforts, nous pouvons casser la barrière qui entoure la cachette de Ganon. Je vais te dire où les autres jeunes filles sont retenues. Je suis sûr que tu détruiras Ganon. Nous retrouverons alors notre aspect d'origine. Formidable. Tu as compris? Non, j'ai envie de relire ce long discours. Et puisse son chemin mener le héros à la Triforce. Ok, où allons-nous maintenant? Oh, il y en a partout. Bon, on va faire dans l'ordre des numéros, on va aller en bas au milieu. Merde. Je sais plus.
Voilà. Allez, on va partir de cet endroit maudit et ne jamais revenir. C'est pas par là que j'étais passé à l'aller ? Non. Là. Je retournerai bien, bien voir mon pote, voir ce qu'il me dit. T'es pas du coin toi, tu es venu pour le... Ouais, en fait je m'en fous. Allons-nous-en. Toi, attends, je veux pas te voir. Non. Ah oui, et maintenant que j'ai le marteau, je peux passer. Bonk, bonk, bonk. Ah non. Méchant crâne, qu'est-ce que c'est que ça? Boutique des bombes. Je me demande bien ce qu'on peut y acheter. C'est bien le bon endroit. Merde, faut pas toucher les crânes. À gauche. Et en... Ah oui, ça doit être là. Uniqueur, c'est moi, c'est Astrala. Les objets existent simultanément dans les deux mondes avec un aspect similaire. Si l'aspect d'une chose change, cela affecte l'aspect de son jumeau dans l'autre monde. Ok. Je pense que je vois où tu veux en venir, c'est Astrala. Ah oui, est-ce que je peux vraiment faire ça? Ah, parce qu'il faut genre... J'ai raté la défaite du boss, mon délivreau est arrivé en même temps. Eh ben, j'ai. Tout ce que tu as besoin de savoir, c'est qu'il a pris la sauce. Le marais des démons. Allons voir le marais des démons. Mais je peux pas me déplacer quand je porte un gros caillou. Merci pour les bombes. Nulos. J'aimerais bien essayer un truc. J'ai encore le miroir. Ah oui d'accord, le miroir laisse une... Bon, mec, là, j'ai l'épée d'Excalibur, tu vas quand même pas m'emmerder.
Regarde, dans la grotte à l'est du lac Ilia, d'étranges et merveilleuses choses s'y trouvent. Dans la grotte à l'est du lac Ilia. Je crois qu'il faut que j'aille récupérer des palmes ou une connerie comme ça. Ok, donc c'est ce qu'il y a en bas, à droite, un peu au milieu. Non, je voulais pas aller là. Bon, tant pis. C'est pas plus mal. Je cours. Voilà, et là? Ah non, le con du cul. Voilà, je dois pouvoir aller dans la grotte de la reine des auras. Je crois que c'est par là. Alors. Oh l'erreur. Oh non. Je regrette tellement d'avoir fait ça. Ah, par là, à moi. Oh la petite fée. Mais les fées, faut les capturer avec un filet à papillon, je suis le roi des culs. Trouver la baguette de glace, ces bourrasques magiques glacent l'air, mais surveille ton compteur magique. Stylé. Attends, mais je peux m'en servir pour faire un passage dans de l'eau, tu penses? Ah ouais, elle est belle, hein. On va fouiller un petit peu par là. Pas les ennemis immobiles, tu gagnes des rubis. Ouais, regarde, t'es immobile, je vole tes rubis. Ça marche, bon conseil. Aïe. Voilà. Filet à papillon, faut que ça marche. Tu as attrapé une fée. Elle est vraiment merveilleuse, que vas-tu en faire? Je la mets dans un flacon. C'est ma fée maintenant. Tu as attrapé une fée. Qu'est-ce que vas-tu en faire? Je la mets dans un flacon et elle passera toute sa vie ici. Et là, il n'y a rien à faire. Ok. La petite musique des fées. Alors, et là, on peut passer? Non. 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 Ok. Qu'est-ce que je peux faire avec cette fameuse baguette de... Attends, déjà, est-ce que je peux aller dans l'eau, là? Non, parce que je ne sais pas nager. Et si j'utilise la baguette de glace? Bah, je ne sais quand même pas nager et ça ne gèle pas l'eau. Bon, en tout cas, le conseil du mec était vrai. Mais je me demande si en passant par en haut à droite, là, je peux pas... je peux pas... aller chez les auras, et je crois que les auras, ils vont me donner une quête pour apprendre à... Enfin, ils vont pas m'apprendre à nager, ils vont me donner des palmes, en fait. Parce que dans Zelda, quand t'as pas de palmes, t'as pas le droit de nager. Thank you.
T'arrêtes de me troller, ouais. Culard. C'est un secret. Ouais, super, j'ai déjà ma limite max de rubis. Il y a intérêt à y avoir pas que des rubis. Je garderai bien ton secret avec moi. Don't worry. C'est dommage, par contre, comme je suis déjà à 999 rubis. Les petits blobs verts? Ceux qui se dandinent? Aïe! Aïe! Ah mais je vais pouvoir retourner au Smithy aussi. Ok, donc toi tu ne vends que des bons... Ah oui mais là je suis au Smithy, c'est ça. Donc si... Attends. Si j'utilise mon miroir magique ici... C'est quoi là? Ah mais c'est pas ma chambre ça? Non. Je vais essayer un truc. Il faut que je passe par la forêt. Et le petit gamin malade là, si je lui donne la fée dans un bocal, peut-être il sera moins malade. Et peut-être il va me donner un nouvel item. C'est quoi ici? Je peux pas acheter une bourse plus grande pour des rubis? Peut-être. Aïe, mon cul. Alors, les Smithy ils sont par là. Et le petit gamin, il est là, je crois. Non, le petit gamin, il est là. Et je peux pas lui donner une défaite? Non. Bon. Bah tu retournes dans ton flacon. Je la mets dans un flacon. Alors. Moi je vais aller voir. Maintenant que j'ai le marteau, je peux faire des trucs ici. Parce qu'avant je pouvais pas. Parce que je... J'avais pas le marteau. Et je pouvais pas passer ça. Mais maintenant je peux faire. Zblé ! Et hop là ! Bon, bah là, en l'occurrence, j'ai été du mauvais côté, donc je peux recommencer. J'étais sûr que ça allait arriver, ça. C'est quoi, ça?
peux savoir ce qu'ils font exactement les forgerons Pourquoi il y a une idole de culte du sang là sous la maison des forgerons? Alors lui il voulait que je retrouve son pote mais bon. Ah non je voulais la tuer, ça va marcher. Ah non merde. J'étais en route pour aller chez les auras. Remarque, avec toute la thune que j'ai, je peux parler à lui, il va me dire ce qu'il faut que je fasse. Comme ça, ça m'évitera de... tu sembles avoir un destin hors du commun. Puis-je te prédire l'avenir? Je te ferai un bon prix. Prédis-moi l'avenir. Tu rencontreras un amateur de champignons à la boutique magique à l'est du sanctuaire. Ok. Peut-être ça là-haut, la boutique magique? Ouais, je crois que c'est ça. Si j'ai envie de jeter une poule dans l'eau, je prends la poule et je la jette. Hein. Y a pas de... Mais... Qu'est-ce que tu veux, toi, là, mon ubi comme nanana? C'est quoi, là? La maison des bûcherons, Monsieur Bing et Monsieur Bang. Yeah! Bah y'a personne. Excusez, hein, je prends vos médocs dans les pots. Arrêtez de bûcheronner la forêt sacrée là. Ah, y'a une forêt là. Y'a une grotte là. Allez. Y'a aussi une forêt, mais bon. Ok, y'a un autre moyen d'entrer. Je vais le trouver. Et ils sont où les bûcherons, sérieux? C'est les voleurs. C'est les voleurs de merde. Ils me voleront pas mes trucs. Alors attends, parce que... Elle est où la sorcière alors si c'est pas là? Peut-être... Puis maintenant c'est les Smithy. Moi qu'elle soit complètement de l'autre côté. Est-ce que je me suis trompé entre l'Est et l'Ouest? C'est possible. En fait, il n'y a pas de boussole. Du coup, je peux pas savoir. Bon, une bonne fois pour toutes, est-ce qu'on peut arrêter avec ces conneries de nord et de sud? Selon comment on est tourné, ça change tout. Je vais effacer la fatigue. Oh bah super, je suis pas fatigué.
Merci, Madame la Fée. Je sais pas si t'as vu un peu des images de Breath of the Wild. Oui. Mais du coup, dans Breath of the Wild, toutes les fées, c'est des espèces de milfs chelous dégueulasses, là. Ils ont fait un espèce de délire avec ça. Aïe. Ah ben oui, c'est elle, la sorcière. Et en effet, elle aime bien les champignons. Donc du coup, je peux lui donner mon champignon. Miam, la bonne odeur des fruits pourris. Si besoin d'un champignon, je pourrais finir mon miroton. Pardon. Eh ben, je te le donne, moi, le champignon, y a pas de souci. Eh, merci, jeune homme. Passe à la boutique magique plus tard pour quelque chose de bon. Haha. Super. Merci, la vieille. Et oui, les auras, ça doit être par là. Sauf qu'on peut pas y aller, je crois. Aïe. Bon, on va essayer d'y aller quand même. Je crois qu'on peut aller dans leur grotte et genre... les voleurs, ils ont volé un truc à la reine et du coup, elle peut pas nous donner les palmes parce qu'elle est coincée ou je sais pas quoi. Oui. Petite potion. Ah non, des auras partout, à l'aide. Ah non, merde, pas aller là. Ah, mais je suis un con du cul. Ah non, j'ai pas pris le bon chemin. Cette énigme a eu raison de ma capacité à résoudre les énigmes. Non, c'est pas par là. Ah non, 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 va-t'en, toi. Ouais, voilà, va dans l'eau. Ah, mais c'est la cascade qui fait du boucan, comme ça. Un gros aura. Ah, 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 qu'est-ce que tu veux, petit? Je voudrais des palmes. Mais je ne les donne. Je ne donne pas les palmes gratis, je les vends 500 rubis. Bon, de toute façon, je stack des rubis comme un connard, alors. Et en prime, je te laisserai utiliser les canaux magiques qui relient les lacs et les rivières. Quand tu verras un tourbillon, plonge-y. Qui sait où tu réapparaîtras? Il vient littéralement de me vomir des palmes dessus. Tu as acheté les palmes de Zora, elles vont te permettre de nager même en eau profonde. Super. Du coup, j'ai les palmes et les chaussures de course en même temps, on est d'accord? Ah non, j'ai bu la tasse. Oh là là, le pire joueur de Zelda de tous les temps. Ok, y a rien par là. T'as un problème avec les blobs? Ouais, je me disais bien.
Ah voilà, et là la fée elle va m'améliorer mon arc. Ah tu les aimes, d'accord. C'est cet objet que tu as jeté? Oui. Je te le rends alors. Ne le jette plus. Allez, chais. C'est toujours un arc normal. Ah non, merde. Oui, non, c'est un objet. Je sais pas trop ce qu'il faut y lancer. Mais non, mais je voulais pas lancer l'arc. Cet objet que tu as jeté? Oui. Je te le rends alors. Ne le jette plus. Attends, j'ai pas compris. Si je lance mon bouclier, elle peut peut-être me l'améliorer. C'est trop bizarre la sélection d'items là, je m'en souvenais pas. C'était cet objet que tu as lancé? Oui. J'aime les gens honnêtes, je vais te donner quelque chose de mieux en échange. Oui! Ton bouclier s'est amélioré, tu peux désormais te protéger des boules de feu. Oh là là, ce pavois! Et alors, si je me souviens bien... Ah, si je me souviens bien, je peux mourir. Est-ce que ça serait pas un endroit parfait pour arrêter? Ah bah non. Ma prévoyance et le fait de mettre des fées en captivité... Attends, non mais je suis con. Attends, je m'en fous. Mais non, je peux pas passer là, je suis... Oh là là, mais ce gangbang omniprésent. Parce que dans le coin, il y a aussi un endroit où on peut... Ah, je peux pas sauter là. Il y a un endroit où on peut lancer un objet à un poisson. Et le poisson, il nous donne un objet. C'est par là, je crois. Là aussi, il y a un truc, là. Ça va me faire croire, là. Non. Donc là, il y a un des tourbillons de voyage. Merde. Bah écoute, on va le prendre. Hein. On va prendre le Zora Express. Ok. Alors c'était où l'endroit avec le poisson où tu peux jeter un truc et il te donne un item? Ah, là il y a une... Oui, mais tiens, soigne-moi toi. Merci, je promets de réduire moins tes amis en esclavage. Bah en vrai, on va s'arrêter là. C'est un bon point pour... un bon moment pour finir, je pense. Eh ben, merci d'avoir regardé, du coup. Et puis, bah, à la prochaine. Salut !